Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Santé Équilibre. Chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils, des conseils, des astuces et aussi de l'énergie pour améliorer votre santé et aller vers un corps sain et un esprit serein. Je suis Martine Bosque, ostéopathe, praticienne de médecine chinoise, auteure et coach santé-bien-être. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.equilibreandco.com. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Alors je vais continuer à vous parler aujourd'hui de nos vertèbres cervicales et plus particulièrement le rapport à notre personnalité. Donc nous avions vu dans l'épisode précédent le rôle des cervicales et leur lien entre la volonté et l'action. Alors, voyons nos sept vertèbres cervicales et donc les sept facettes représentées de notre personnalité. Alors, tout d'abord, la première vertèbre cervicale est l'atlas et elle va nous permettre de vivre de nouveaux projets. Elle est en lien direct avec l'énergie lunaire, comme nous l'avions vu précédemment. Et cette première vertèbre cervicale porte l'énergie de la femme, de la mère, celle qui a le pouvoir de porter et d'incarner la vie. C'est donc notre part fertile et réaliser un projet produit parfois des peurs, des doutes ou une pression trop importante, à tel point que cela reste caché dans l'inconscient. Il est d'ailleurs troublant de constater comme les choix sont évidents quand il s'agit des autres. C'est une toute autre affaire quand il s'agit de soi. Les informations restent tapies en nous, cachées dans nos profondeurs. Et cela peut engendrer des blocages de la première cervicale, donc de cet atlas, des migraines ou des troubles de l'équilibre. En effet, quand la vie impose quelque chose, cela peut être vécu comme une sanction. L'Atlas était puni par les dieux pour avoir préféré les géants terrestres aux dieux célestes. Et toute personne qui vit des grands changements de repères, soit dans sa vie professionnelle, dans sa vie de couple, dans ses habitudes de vie, dans ses croyances, s'appuie sur de nouvelles références et voit son équilibre intérieur changer. La mise en place de cette évolution intérieure dépend donc de cette première vertèbre cervicale et un blocage de cette vertèbre signe toujours une difficulté à se laisser féconder par la vie, incarner un projet personnel profond, accepter une nouvelle partie de soi ou accueillir ce que la vie nous impose. D'ailleurs, en ostéopathie, il y a une technique qui permet de travailler spécifiquement sur cette première vertèbre cervicale. La deuxième vertèbre cervicale est appelée axis et elle est liée à Mars, symbolisée par un bouclier, par une lance. Une énergie qui est guerrière et conquérante et, si elle est mal maîtrisée, devient l'énergie de la pulsion, de la colère ou de la frustration. C'est pour ça que l'axis, c'est souvent quand la colère est étouffée. Pour mener à bien un projet, l'individu a besoin d'énergie, de force, de puissance. Et après avoir accouché d'une idée, il faut être prêt à la soutenir. C'est le rôle de Mars qui est de nourrir la combativité pour faire ce qui est nécessaire. Et il peut y avoir des difficultés à accepter les contraintes relatives à son projet de vie. Une démarche profonde implique toujours des renoncements que nous ne sommes pas toujours prêts à faire. Et de plus, c'est le foie qui est en intime relation avec cette deuxième vertèbre cervicale, un organe bien connu dans la médecine chinoise qui gère les colères, mais aussi les vécus d'injustice,
les ressentiments, la rancœur, la rancune. Par exemple, je me souviens d'une personne qui est venue à mon cabinet. Elle avait la deuxième cervicale bloquée dans un contexte, par exemple, particulier. En effet, devant son ordinateur, elle a eu la sensation d'un coup de poignard juste en regard de sa deuxième cervicale. Et le stress qu'elle traversait dans sa vie à ce moment était très important, puisque son beau-fils avait été agressé. Et elle s'interdisait de porter plainte pour protéger son compagnon, mais aussi son moi intérieur, qui fulminait lui de colère et d'envie d'agir. Donc la douleur a spontanément disparu lorsqu'elle s'est autorisée à prendre le chemin du commissariat pour aller porter plainte. Alors la troisième vertèbre, elle, est en rapport avec la planète Mercure, le messager des dieux. Et son symbole représente un être qui reçoit l'énergie du ciel dans une coupe au-dessus de sa tête. En faisant le lien entre le céleste et le terrestre, l'archétype mercurien permet à l'individu de réfléchir à son projet et de trouver l'inspiration et l'intuition nécessaires pour le mettre en œuvre. Ainsi, c'est l'opportunité de donner une vision plus large, un enjeu strictement personnel à son projet, de trouver des solutions ou de donner du sens. Lorsque la vie nous impose des contraintes, celles-ci deviennent plus supportables lorsqu'elles sont au service d'une cause ou d'une valeur que l'on reconnaît. Sinon, elles sont vécues comme quelque chose d'injuste et de subi. On peut dire que cette troisième vertèbre cervicale est vraiment en relation à donner du sens. La quatrième cervicale, elle est en rapport avec Jupiter, la planète de Zeus. Elle va représenter la réussite et dans la mythologie, Jupiter est le père des dieux et des hommes. C'est un jouisseur qui pêche parfois par excès. C'est une énergie d'optimisme, de jovialité, d'expansion qui nous invite à élargir notre horizon et les frontières du possible. Le désir profond nourrit une ambition qui doit dépasser les limites que nous nous posons. Et c'est ces propos que retranscrit parfaitement cette idée. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Les blocages de cette quatrième vertèbre cervicale nous parlent donc de nos interdits, de nos croyances limitantes et de la façon dont nous affrontons les épreuves avec l'énergie de la colère ou les foudres de Jupiter, plutôt qu'avec le cœur, la joie ou l'enthousiasme. Cette quatrième vertèbre cervicale est donc en relation avec Jupiter et nous demande de dépasser nos barrières limitantes. La cinquième cervicale est en rapport avec la planète Vénus, qui est le symbole de la féminité et de la séduction. Il s'agit non de la femme mère, mais de la concubine. Cette vertèbre va nourrir l'énergie délicate qui donne de la sensualité et de l'attrait aux choses. C'est par une mise en forme soignée d'une idée qui va devenir séduisante. C'est une forme d'intelligence que de savoir rendre attrayant quelque chose. Et le plaisir de la mise en forme participe à la réalisation du projet. Alors si Vénus attise le désir, elle peut nous amener à dépasser les limites. Certaines démarches guidées par nos pulsions peuvent à l'excès tuer le projet dans l'œuf. Et l'excès d'envie, de passion, la pression que l'on peut se mettre par un désir trop ardent peuvent devenir une pression écrasante. C'est ainsi que les blocages de cette cinquième vertèbre cervicale nous parlent de l'image que nous avons de nous-mêmes et de l'attachement aux dimensions superficielles qui nous éloigne de l'essentiel. L'archétype de Vénus, lorsqu'elle est équilibrée, est là pour nous permettre de voir la beauté des choses, qu'elles soient extérieures à nous-mêmes ou intérieures. Il nous faudra donc, en cas de blocage au niveau de cette cinquième cervicale, de vérifier que l'image de soi n'est pas altérée.
Voyons maintenant la sixième vertèbre cervicale qui, elle, est en rapport avec la planète Saturne. Son symbole est un message sans concession qui nous rappelle que le chemin de l'homme le conduit inexorablement vers la mort. Et ce message de vie nous enseigne qu'il y a des lois, mais aussi des règles imposées par l'univers auxquelles l'homme ne peut se soustraire. La vie nous impose des choix, des décisions avec leurs conséquences, que chaque être est en devoir d'assumer. Accepter les règles de la vie permet de prendre une posture d'adulte et non d'enfant. Dans certaines situations, c'est par le labeur, l'endurance, la rigueur et l'obstination, et non pas l'entêtement, que l'on traverse les épreuves. Et s'il y a blocage de cette sixième vertèbre cervicale, cela nous parle de notre difficulté à accepter le prix de nos choix et les contraintes imposées par la vie. Il nous faut donc choisir à un prix et il nous faut donc accepter. Et enfin, la septième cervicale est en rapport avec le soleil. Si la lune représente la capacité à être fécondée, le soleil, lui, soutient la capacité à accoucher de soi-même. La naissance est une rencontre avec la pleine lumière et le principe solaire nous permet de rayonner en nous et vers les autres. Son symbole nous parle de la capacité à être à la fois au centre et à la périphérie, à établir une relation équilibrée entre soi et l'autre, entre soi et la vie. Et par sa lumière, le soleil réchauffe, détend, tranquillise. Il va nourrir la confiance en soi. Il représente également l'idéal que l'on s'était promis d'atteindre. Alors les blocages de cette dernière vertèbre cervicale, la septième, nous parlent donc de ce qui peut sembler au-dessus de nos moyens ou de ce que nous avions espéré ou désiré. Et la contrainte nous empêche alors d'agir, de rayonner et d'être ce que nous souhaiterions montrer ou manifester. Donc cette septième vertèbre cervicale va nous permettre de rayonner pleinement. Alors ce que l'on peut dire hein, pour conclure, c'est que toutes les expériences de la vie sont initiatiques et cela implique hein, qu'il faut les accueillir, les soutenir et non lutter contre, leur donner du sens, leur faire de la place, les mettre en forme convenablement, accepter les contraintes qui en sont issues et aussi les laisser s'exprimer et s'incarner. Mais on est bien d'accord que chacune de ces étapes va réveiller en nous des fragilités, des peurs, des insatisfactions. Et les limites que nous nous posons liées à nos croyances, souvent à notre histoire, à nos peurs, à nos mémoires, nous empêchent de passer à l'acte et de nous adapter. On va dire alors je ne peux pas, je ne suis pas capable, je ne mérite pas, je ne suis pas digne, c'est juste au-dessus de mes moyens, je n'ai pas le droit ou c'est trop dur pour moi. Et ce sont toutes ces pensées négatives qui freinent, qui sont issues de notre propre représentation du monde. Et la transformation de ces limites intérieures peut être l'origine d'une évolution et d'une croissance, grandir intérieurement qui va permettre alors à notre colonne vertébrale de se redresser, tout simplement. Voilà, merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre vos vertèbres cervicales et les facettes de nos personnalités. Je vous souhaite vraiment un dos en forme et des cervicales en forme. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire pour